Alléluia. Je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que le Seigneur nous fasse du bien. Aujourd'hui, nous allons commencer un peu avant, afin que nous puissions avoir assez de temps pour la prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne fais pas le rappel. Si Dieu le permet, on pourra le faire demain. Aujourd'hui, je vais rapidement parler de la structure que les agents des ténèbres ont besoin d'avoir afin d'accomplir leur mission. Et je vous ai dit, même s'ils meurent, la structure doit rester, doit parler et doit accomplir la mission. Je vous avais parlé des agents des ténèbres. Mais pour que les agents des ténèbres agissent, pour qu'ils puissent offrir les sacrifices d'une plateforme. Et cette plateforme s'appelle l'autel satanique ou l'autel maléfique ou l'autel des ténèbres. Un sacrificateur des ténèbres, un prophète des ténèbres ne peut pas accomplir sa mission s'il n'a pas un autel. Alléluia. Alors, cette structure est un fondement sur lequel les programmes sataniques sont mis en place et soutenus afin que les conséquences puissent être manifestes dans la vie d'une personne et cela de manière répétitive ou perpétuelle. C'est-à-dire, l'autel est bâti afin que le programme puisse être mise en place ou puisse se réaliser. Et cela dans la vie d'une personne. Lorsqu'on a bâti l'autel, il y aura des conséquences. Il y a les promesses, il y a les vœux, il y a des paroles déclarées sur l'autel, sur les sacrifices. Et ces problèmes-là seront les conséquences dans la vie de toute personne qui sera rattachée à cet autel. Et cela, ça peut être de manière répétitive. Vous vivez les mêmes choses toujours. Un problème qui revient de manière cyclique dans la famille. Ou de manière permanente ou perpétuelle. C'est-à-dire, on a dit dans cette famille, personne ne sera marié. Et dans cette famille, personne ne se mariera. Parce que lorsqu'on a donné l'offrande ou les sacrifices, le vœu qu'on avait donné, c'était peut-être dire, donnez-nous la richesse et nous vous donnons le mariage de nos enfants. Il y a un échange, il y a une transaction. Alléluia. Alors pour les agents des ténèbres, pour qu'ils fassent ou qu'ils détruisent la vie d'une personne, il faut qu'il y ait un autel. Pour que la malédiction puisse atteindre une personne, pour que le programme mis en place puisse atteindre la personne, il faut un autel. Et pas seulement un autel, il faut un sacrifice. La force ou la puissance d'un autel, le pouvoir d'un autel dépend de son sacrifice. Ce qui donne le pouvoir d'un sur le sacrifice commun. Un jour j'enseignais sur les autels ici et nous voyons ça ici dans l'église. Ça c'est un autel, ce n'est pas un podium. Un podium c'est pour faire les concerts. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens ne viennent pas passer ici, parce que ça c'est un lieu mis à part. Et il y a le sacrifice, le sacrifice qu'on a fait sur cet autel.
n'est pas le sacrifice des animaux, mais le sacrifice des paroles. Parce que en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance, spirituel à Dieu, qui sont les fruits de nos lèvres. Ça peut être les adorations, ça peut être la louange, mais ça peut être une prière faite pour la cause de sanctifier l'autel. Alors l'autel a sa force lorsque il a un sacrifice. Si tu bâtis un hôtel et tu ne sacrifies pas, tu ne parles pas sur l'hôtel, tu ne mets pas des offrandes. Des fois, on peut renforcer l'hôtel par les offrandes. Non seulement on a prié. Là, ce n'est pas l'offrande que je viens pour donner dans les paniers. C'est l'offrande que je mets à part pour que l'hôtel continue à parler, continue à avoir de la force. Ça peut être mon hôtel à la maison. Ça peut être l'hôtel d'ici. On peut toujours donner quelque chose à Dieu et renouveler les paroles afin que la vie continue à couler. Parce que les gens peuvent faire que la puissance de l'hôtel puisse diminuer. Si les gens sont habitués à venir sur l'autel, ils vivent dans le péché, ils vivent dans l'escroquerie, dans le mensonge, ils vivent dans l'impudicité, ils peuvent souiller l'autel. Ou je peux dire, celui qui monte sur l'autel est sanctifié par l'autel. L'autel va cesser d'agir à cause des trafics qui n'honorent pas Dieu. Alors vous allez voir quelqu'un venir ici, au lieu de vous nourrir la parole, tout ce qu'il a préparé, ça part, il commence à dire n'importe quoi. La force de tout hôtel repose sur son sacrifice. Et les gens anciens, ils savaient le principe. Ils ne donnaient pas n'importe quel sacrifice. Et des fois, ils ne donnaient pas les pièces de monnaie. Des fois, ils donnaient des personnes. Ils donnaient des vies. Ils sacrifiaient le sang. Parce que dans le monde spirituel, le sang, c'est la dernière arme. Parce que Dieu a voulu libérer l'Égypte. Les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a fait des miracles. Mais la dernière arme qu'il avait utilisée, c'était le sang. Le jour où Dieu devait nous libérer de l'esclavage, l'arme qu'il a utilisée, c'était le sang de son fils. Et Satan, lorsqu'il t'attaque, c'est bon de dire au nom de Jésus. Oui, les démons vont partir. Mais quand tu engages le sang, c'est-à-dire tu amènes le combat dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Voyons une personne dans la Bible qui, pour faire les imprécations, pour maudire, lancer les paroles de malédiction, il a exigé qu'on lui bâtisse des autels. On a commencé à parler de cet homme, il s'appelle Balaam. On a parlé de Balaam, comment est-ce que le roi de Moab, qui est Balak, l'avait fait appeler et lui a dit, il y a un peuple nombreux qui est ici, viens et maudis-le. Je sais que celui que tu maudis, il est maudit, et celui que tu bénis, il est béni. Lorsqu'on l'a appelé, il arrive, il exige qu'on lui bâtisse des hôtels parce qu'il ne peut pas faire lancer des imprécations, libérer les paroles de malédiction qui doivent condamner toute une nation, tout un peuple, afin que ces gens-là soient vaincus par le roi Balak. Il a dit, vous allez me bâtir des hôtels. Nombre 23. 1 à 2. La parole de Dieu dit, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel,
et prépare-moi ici 7 taureaux. Non seulement il y aura des autels, mais il doit y avoir les sacrifices à mettre sur les autels qui sont des victimes. Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fils avec Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Alléluia. Amen. La Bible parle des autels. Le mot autel tout simplement dans la Bible est repris 375 fois dans la Bible Louis II. Muri Bibiliya Louis Sego ijambo igicaniro rasubirwamo inshuro 337. 375. Et dans la Bible du Seigneur, c'est repris 383. Muri Bibiliya muri yo Bibiliya nsiguro yindi ni inshuro 383. Alors qu'est-ce qu'un hôtel? Igicaniro niki? Un hôtel est un lieu élevé. Igicaniro nahantu hashyizwe hejuru. Sous lequel on tue. Ahantu bicira bakerera. On brûle les victimes. Baba kerera ibimazi. Où on offre un sacrifice à une divinité. Ahantu batangi kimazi bagitangi imana. C'est un lieu qu'on élève. Nahantu hadugijwe. Là on va mettre les sacrifices. Aho batangi kimazi. On va l'immoler. Baba bakagikerera. On va le tuer. Bakagikerera. On peut le présenter. Barashobora kugisera. Pour offrir à une divinité. Bagitangira imana. Dans les temps anciens. Mugihe cya kera. On pouvait les offrir à Dieu. Bashobora kubishika. Tout comme on pouvait les offrir à des idoles qui sont des faux dieux. On pouvait donner de l'argent. On pouvait donner de l'huile. On pouvait donner du lait. Il y a même des tribus où on donne du lait aux esprits. Alléluia. On peut donner un animal. Ça peut être un oiseau. Ça peut être un coq. Inoko. Ça peut être une poule. Inoko kazi. Alléluia. Ça peut être une personne. Changumunu. Alors, dans nos familles, Mumijango dukomokamo. Des fois des sacrifices avaient été faits. Rimwe na rimwe bimazijara tanzwe. Alléluia. Et non seulement l'autel peut être un lieu élevé. L'autel peut être aussi une surface plane. Et laisse-moi vous dire, dans le monde spirituel, le sang n'est pas versé n'importe où. Le sang est toujours versé sur un autel. Caïn et Abel sont dans les champs. Chacun bâtit un autel où il va mettre son sacrifice ou son offrande à Dieu. Et Caïn va tuer son frère Abel. Et lorsqu'il le tue, Dieu dit ceci. Le sang de ton fils, de ton frère, la voix du sang de ton frère, en réalité ce n'est pas l'autel qui parle. C'est le sacrifice qu'on a mis sur l'autel qui parle. La voix du sang de ton frère arrive jusqu'à moi. Et vous savez que le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus crie miséricorde. Ça crie justice. Alors là où le sang d'Abel était tombé, ce n'était pas sur un autel élevé. C'était sous la terre, sur une surface plane. Mais ce lieu-là était un hôtel. Ne pense pas quand tu vas tuer, égorger la poule à la maison. Tu l'égorges n'importe où. Tu dois aller chercher, conduit par les esprits, là où il y a un hôtel. Lorsque le féticheur veut tuer un animal sacrificiel, il l'amène sur un autel. Ça perd dans un coin de la maison, de la parcelle, mais ce lieu-là est un hôtel. Et n'oubliez pas que l'hôtel est une porte spirituelle. Allô? Lorsque Abraham arrive quelque part, il bâtit un hôtel. Son petit-fils arrive qui s'appelle Jacob. Il passe la nuit dans le même lieu. Et il voit une vision. Il voit l'échelle. Et le ciel est ouvert. Il voit les anges, les mouvements angéliques. Il dit, je ne savais pas que Dieu est ici.
ici c'est la maison de Dieu et ici c'est la porte des cieux. Je vous ai déjà enseigné que la porte du ciel ne peut s'ouvrir que là où il y a un autel. C'est comme ça, lorsque on a donné un sacrifice, on ouvre une porte dans le monde spirituel, sur les lieux qu'on appelle hôtel. Ça, c'est la définition générale. La définition spécifique rattachée aux caractéristiques d'un hôtel. Un hôtel est un lieu de rencontre, un lieu de consultation et de connexion. C'est là où les hommes peuvent rencontrer Dieu. Nous venons ici, des fois tu ne pries pas chez toi, mais quand tu arrives ici, tu es dans le feu de la prière. Pourquoi? Il y a un hôtel. Tu as besoin de prier toute la nuit, mais tu n'arrives pas. Mais quand tu arrives ici, tu ne sais pas d'où vient la force. Non, c'est parce qu'il y a un hôtel. Et quand tu vas sur l'autel, ça dit tu vas rencontrer une divinité. Soit tu rencontres Dieu, soit tu rencontres les démons. C'est aussi un lieu de consultation. Hier, je vous ai parlé des agents des ténèbres, qu'on appelle les sorciers ou les féticheurs. Lorsque tu vas chez les féticheurs, avant de te dire quoi que ce soit, il doit communiquer avec les esprits. Et je vous ai dit que les féticheurs travaillent avec l'esprit d'un mort. Pas l'esprit des morts, mais l'esprit d'une personne déjà morte qui doit lui dire des choses. Alléluia. Alors c'est un lieu où les gens viennent se rencontrer avec les divinités, soit Dieu ou les mauvais esprits. Une autre chose, c'est que l'autel est le lieu d'invocation. On invoque une divinité, on invoque Dieu. Lorsque nous nous mettons à genoux ici, nous sommes en train d'appeler Dieu afin qu'il agisse. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 12 verset 8, lorsque Abraham arrive dans la terre promise, la Bible dit qu'il avait bâti un autel et il avait invoqué l'Éternel. Alors les satanistes ou les sorciers, lorsqu'ils bâtissent des autels, ils invoquent les esprits. Des fois, ils parlent aux esprits ancestraux. Ils peuvent donner les sacrifices et dire protégez-nous, protégez notre famille. Et quand quelqu'un a violé une alliance, une loi dans la famille, les esprits sont dans la colère. On peut toujours donner des offrandes, des sacrifices. On peut verser la bière ou l'alcool ou la boisson par terre pour que les esprits s'apaisent. On m'avait donné un témoignage que dans une forêt, il y avait un arbre où les gens allaient et ils parlaient sur cet arbre. Tu te mettais à quelques mètres, très loin de l'arbre, et tu pouvais présenter ton vœu. Tu présentes la prière et l'arbre pouvait soit détacher un morceau de son écorce et le morceau va plonger jusque là où toi tu es. Cet arbre-là est un hôtel. Et les gens vont invoquer les secours du Dieu qui habite l'arbre. L'hôtel est un lieu d'imprécation. Balaam, lorsqu'il arrive, il dit: je ne peux pas maudire Israël sans que tu ne me bâtisses cet hôtel. Il veut libérer les paroles des malheurs. Alléluia. Ça, vous trouvez dans Nombre 22, 6. On a déjà parlé de cela. L'hôtel aussi, c'est un lieu d'alliance. C'est un lieu où les gens traitent des alliances. Ils entrent dans le pacte. Tout homme de Dieu vrai, ou tout homme de Dieu qui connaît les choses spirituelles, il a un hôtel. Son hôtel, c'est ce que nous appelons l'alliance. Alléluia. Je suis en train d'aller vite parce que cet enseignement, vous l'avez déjà. Alléluia.
L'autel est un lieu de transaction. On donne une offrande. C'est comme si on faisait le commerce. On vient chez les dieux. On vient auprès des idoles. On présente son offrande. Dans les sacrifices. En échange, on a besoin de recevoir certaines choses. Ça peut être la richesse. On a besoin de la richesse. On donne l'intelligence des enfants. Alors les enfants peuvent être intelligents, étudier, mais ne jamais travailler. Parce qu'on a donné soit le travail ou soit l'intelligence. Tu vas trouver dans une famille tous les enfants, soit le premier-né, soit la première fille, ou soit le cadet, tous ces enfants-là sont nuls dans la vie. En commençant par le père, l'oncle, la tante, tout le monde est nul. Il y a un hôtel. Et tel que tu es là, dans ta vie, il y a un hôtel. Soit ça parle, soit ça détruit ta vie. Demain, nous allons chauffer ici. Ce ne sera pas un culte normal. Ce ne sera pas un culte formel. Kesho tutafanya mazoezi. Lazima tufanye mazoezi. Alléluia. C'est un lieu de transaction. On vend les choses pour récupérer d'autres choses. On donne des promesses pour recevoir des choses. On dit, ok, nous voulons être des grands chasseurs. Ouais, les gens des tribus là qui vivent dans la forêt, qui vivent de la chasse, ils vont dans la forêt pour attraper du gibier. Ils font des promesses aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, et disent, nous voulons chaque fois attraper du gibier. Ils le demandent, qu'est-ce que vous allez nous donner? Et disent, ok, nous allons vous donner notre richesse, notre prospérité. Et une famille comme ça, vous allez trouver que personne ne lève la tête, tout le monde est par terre. Que tu sois docteur, que tu sois ingénieur, tu n'auras pas l'argent. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, quelle est la cause de la pauvreté, du blocage, de la limitation dans ta famille? Personne ne peut aider l'autre. Et la personne qui doit aider, ça dit, tout le monde devient une charge. Je prie pendant que Dieu te bénisse, qu'il bénisse aussi les membres de ta famille. Parce que si tu deviens la seule personne qui doit aider tout le monde, non. Un jour, tu seras fatigué. Alors si Dieu bénit tout le monde, alors la famille sera épanouie. Alléluia. Amen. Les choses qui sont dans le monde spirituel, alléluia. Amen. Les lieux de transaction. L'autel est un lieu de sacrifice. C'est un lieu où on donne les sacrifices. Tu ne peux pas bâtir l'autel et tu n'as pas les sacrifices. Même si c'est dans ta maison, ton lieu de prière que tu appelles hôtel, il faut un sacrifice. Et le premier sacrifice là-bas, c'est ton temps. Tu dois avoir du temps. Il y a des gens ici, depuis qu'ils avaient bâti les hôtels, ils n'ont jamais visité encore une fois leur hôtel. Mais tu seras défié. Tu seras combattu. Tu n'as pas le temps sur l'autel. Tu dois avoir le temps. Il y a une certaine constance qu'une personne doit avoir. Si tu vois une personne, un frère, une soeur, un homme de Dieu, il est constant. Il ne descend pas. Il est constant. Il avance. C'est-à-dire, son hôtel vit. Alléluia. Amen. Toute alliance est conclue sur un hôtel. Et est scellée soit par un sacrifice. Lorsqu'on parle de sacrifice, c'est le niveau ultime. Alléluia, ça engage le sang, ça engage qu'on donne des choses, soit l'animal, soit une offrande, alléluia, soit un repas.
C'est pourquoi il faut faire attention lorsque tu manges tous les jours la nuit. Toi, tu rêves en train de manger les brochettes. Tu es chez Jacques, si c'est Paul, je ne sais pas. En train de manger les michopo. Faut faire attention. Gaba. Je vous ai parlé. Si un homme de Dieu qui craint Dieu te donne la nourriture, c'est quelque chose de spirituel. C'est un message pour ton bien. Mais c'est ton grand, ta grand-mère, sorcière, ton oncle sorcier, qui te donne les morceaux de viande la nuit. Tu es en train d'entrer dans une alliance. Il te fait entrer dans une alliance. Parce que l'alliance est scellée aussi par la nourriture. Pose-toi la question. Pourquoi lorsque on vient marier quelqu'un, on prépare une nourriture? C'est pourquoi lorsque vous venez marier, on vous prépare la nourriture. Il y a des nourritures, vous mangez, soit ce sont les hommes seulement. Ou soit c'est l'homme qui va manger avec ses amis. Ou c'est la sœur qui va manger avec ses copines. C'est une alliance. Alléluia. Lorsque Noé a quitté l'arche, il a donné à Dieu une offrande, un sacrifice. Genèse 8:20-21. Abraham a fait des sacrifices. Ceux-là qui veulent vont me demander ça, parce que je vais avancer. Mais prenez quand même Genèse 21. 27-32. Il a donné des offrandes à Dieu. Genèse 22. 1-19. Il a donné son fils. Il a voulu donner son fils. Et chaque fois que ces gens donnaient les sacrifices, il y avait une alliance qui était conclue. C'est pourquoi chaque fois qu'un sacrifice a été donné, des alliances étaient conclues entre familles. Genèse 26-30. Alléluia. Là, c'est Isaac. C'est Isaac. Alléluia. Et lui, Isaac, là, Isaka, il a fait avec Abimelech. Et ils ont préparé un repas. Lorsque vous lisez Jacob, lorsque Laban l'a poursuivi pour maintenir la paix, ils sont entrés en alliance. Ils ont préparé un repas. Ils ont bâti un monument. Ils ont mangé. Il y a des gens. Un témoignage. Un couple va se marier. Ils sont encore jeunes. Ils se disent ok, il faut que nous soyons protégés. Il faut que là où nous allons partir en ville, nous soyons protégés. Alors on va les amener dans la brousse. On va préparer la nourriture dans la brousse. Ils vont manger pour les protéger. Mais à la fin, c'est les enfants. Ce sont les enfants qui payaient les pots cassés. Tout hôtel, toute alliance des ténèbres aura des conséquences. Il y a un esprit qui doit se rassurer que les conséquences sont en train de fonctionner. Alléluia. Alléluia. Jacob avec Laban, Élie a bâti un hôtel. Salomon a bâti un hôtel. Il a donné des offrandes à Dieu. Alors, les enfants de Dieu offrent des sacrifices. Lorsqu'on parle des hôtels, ça fonctionne et dans le monde spirituel de Dieu et dans le monde spirituel satanique. Lorsque les enfants de Dieu donnent les hôtels, bâtissent les hôtels, ils offrent des sacrifices. Et leurs sacrifices, ce sont les prières, l'adoration, la louange, l'action de grâce, tout comme les vœux.
pour honorer Dieu. Mais les agents des ténèbres, vous les connaissez déjà, et ils offrent des sacrifices, soit les sacrifices humains, sacrifices animaux, ils peuvent donner des choses, ils peuvent donner de l'argent, ils peuvent offrir les parties de leur corps. Il y a quelqu'un qui peut donner son doigt ici pour qu'il ait l'argent. Et tu vois, une personne n'a pas ce doigt là. Et tu penses que c'était un accident? Oui, il y a ceux-là qui c'est par l'accident. Mais d'autres peut-être ils avaient sacrifié. Et ils ont l'argent. D'autres peuvent donner leur progéniture. Ils veulent avoir le succès. Ils n'ont pas besoin des enfants. Alléluia. D'autres peuvent donner l'étoile pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, pour avoir le succès, la richesse, pour avoir la chance, conserver leur poste, être élevé, avoir l'amour. Surtout les sœurs aiment se marier. Alors des fois on peut faire n'importe quoi pour attirer l'homme vers soi. Alléluia. Amen. Notez ceci. Chaque hôtel est gardé ou est contrôlé par un esprit. C'est l'esprit là qui doit s'assurer que ce qui a été traité comme alliance fonctionne dans la vie d'une personne ou dans la famille. Si sur cet hôtel on avait conclu l'alliance avec le célibat, c'est-à-dire on a demandé la protection, l'élévation, mais on a sacrifié le mariage, l'esprit qui va opérer, qui va garder l'autel, c'est le célibat. Si c'est la pauvreté, ce sera l'esprit de pauvreté. C'est lui le gardien de l'autel. Alléluia. Une autre chose, l'autel est un lieu de souvenirs. Un mémorial. Un lieu de souvenirs. C'est un mémorial qui représente les lieux où les sacrifices ont été faits. Les sacrifices ont été donnés. Et les vœux ont été échangés. Alors la plupart d'entre nous, dans nos vies, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Il y a des sacrifices qui ont été donnés. Hier, je vous ai dit, il y a des familles, on appelle tout le monde, on prépare la nourriture, on met les fétiches, on mange, on dit qu'on veut fermer la tête des gens. On veut fermer ta tête. C'est-à-dire que les sorciers, que les gens méchants ne puissent pas te détruire. La nourriture que vous avez mangée est une nourriture qui a conclu l'alliance. Alors, beaucoup de gens vivent l'influence des hôtels. Derrière le problème de beaucoup d'entre nous, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Fonctionne et ça se rassure que tu ne prospères pas, que tu n'avances pas, que tu ne te maries pas, que rien ne marche dans la vie. Un homme intelligent, mais qui la vie tu regardes, il est nul. Rien. Tu as fini les études, mais tu es rien. Non, ça ce n'est pas Dieu. Il y a un pouvoir qui te contrôle. Et ce pouvoir a vaincu tes arrière-grands-parents. Tes grands-parents. Tes parents. Et si toi tu ne t'élèves pas, ça va te vaincre. Ça va vaincre tes enfants. Dis jamais. Ce qui a vaincu mon père et ma mère ne me vaincra pas. Si c'est la pauvreté qui a vaincu tes parents, toi tu dois finir avec ça. Si c'est le célibat qui a vaincu tes parents, toi tu dois finir avec ça. Parce que tu ne peux pas répéter l'histoire de tes parents. Alléluia. S'ils sont pauvres, ils ne connaissaient pas certaines choses. Mais toi tu connais. Tu dois traiter avec les hôtels. Tout hôtel érigé. Je connais un homme. Son grand-père
était forgeron. Et un jour, pendant qu'il priait, Dieu va lui montrer qu'on avait enterré là au foyer. Là où on travaille le feu, on avait mis une pièce de monnaie qui représentait la richesse de toute une famille, de toutes les générations. Et imagine maintenant cet homme, vous naissez, vous avancez, mais personne ne lève la tête. Il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie. Écoute, laisse-moi te dire. Don't fool yourself. Ne te trompe pas. Ne te dis pas, ah, je regarde, je suis bien. Si c'est une loi établie, ça peut te rattraper. Parce qu'il y a un esprit qui est sûr que tu n'avances pas. Beaucoup d'entre nous ici, on est arrivé à un niveau où on touchait l'argent, où on prospérait, où le foyer, le mariage était bon. Mais pose-toi la question, pourquoi les choses avaient basculé seulement comme ça? Parce que je vous avais dit, il y a une loi qui te limite. Si tu attaches une chèvre ici avec une corde de 5 mètres, la chèvre sera libre de brouter les herbes dans le rayon de 5 mètres. Et quand elle est à 3 mètres, tu vas dire que la chèvre prospère. Mais arrivée à 5 mètres, elle ne peut plus avancer. Si dans ta vie il y a une loi que toi tu auras tout simplement 1 000 $, tu vas commencer le commerce avec 100 francs et tu prospères, tu as 200, 300. Maintenant tu arrives à 100 $, tu te dis en tout cas les choses avancent, tu arrives à 500 $, tu commences à aller à Dubaï et les gens pensent que tu prospères. Il y a une loi qui dit à 1 000 $, la personne doit tomber par terre et tu avances. Quand tu atteins 1 000 $, les gens ne te payent plus. Le crédit que tu as pris à la banque, on vient ravir ta maison. Quelle est la loi qui te limite? Sûrement qu'il y a un hôtel. Il y a des paroles. Il y a des lois. Il y a des promesses. Je suis sûr que dans ce programme, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Alléluia. Amen. Alors tu dois te tenir debout, nous allons prier. Demain, celui qui modère, sois sûr que tu me donnes beaucoup de temps. S'il est possible que je monte avant 10h30. Tu se mets chez ma gano na ma hôtel. Hallelujah. On a muta kiomba. Mettez-vous debout. Ça, c'est le. La gym, il y a vita. Ah, ni murugamba sana dukore imimenyerezo. Isale na geukaka kila wakati. Ah, igihe cyose birahinduka. Kose na kwa sale ya mabudu. Arege dutazira. Sangine ni cabinet médical. Arege usanga ari kwa muganga. Wa hivi ni terrain ya ngumi. Ubunone wo murirugiye kwa. Vita mapambano. Inambara. Alléluia. Amen. On va prier. Je vais prier. Mais les choses changent lorsque tu prends conscience. Dieu n'a pas pitié de toi parce que toi tu t'apitoies. Dieu a pitié de toi lorsque tu prends la décision de changer les choses. Et tu payes le prix. Ne pas manger pendant 3 jours, c'est déjà un sacrifice. Toi-même tu es un hôtel. Alors tu es devant Dieu. Il faut qu'il fasse quelque chose. Tu as un avenir. Si les gens peuvent te regarder, tu as une étoile qui brille. Mais qu'est-ce qui voile ton étoile? Pourquoi il n'y a aucune personne qui pose la demande sur ce que tu as? Tu as les talents, tu as les dons. Pourquoi aucune personne ne vient te chercher? Tu chantes bien. Personne ne t'a jamais sollicité. Je veux que tu commences à chanter, je vais sponsoriser ça. Tu es belle.
Pas même un garçon du coin là qui te dit je t'aime. Et tu penses que c'est normal? Ton mariage est en train de mourir comme ça. Tu penses que c'est normal? Si tu ne vins pas certaines choses, même tes enfants, à moins qu'ils aient la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce d'écouter des choses comme ça, alors tu dois lutter et finir avec ces choses. Tu vas prier avec passion, avec ton cœur. Alléluia. Et je sais que ta prière va faire des choses. Pendant que tu seras en train de prier, Dieu va libérer son armée. Ses saints anges, ils vont détruire les autels. Commence par dire merci à Dieu. Alors tu pries comme un homme, tu pries comme quelqu'un qui vit. Shakabro santa la bahaya la brus. Intalubra hajakatele brus ki pefesehe. Riamanto prahaskubra ande Balembro sandala kante nuski abakata ya bashata papa papa pala basike tele boboria data ile boshia ira soto broho jogo to brahanda gabro ante kete tele boski i blanduzia nia falamanda la boshka pragesa ta ramayem brasota yaka radari mamo il abrahaja la kante le dibas te kaproskata. Merci Seigneur parce que tu décides de nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai écrit même mes requêtes. La plupart du temps, ils touchent à mon kichu. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici. Accepte-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Couvre ma vie. Couvre ma famille. Couvre ma maison. Couvre tout ce qui est à moi. Afin que l'ennemi Satan ne puisse pas m'atteindre. Et que ce flèche ne puisse pas m'atteindre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de répéter comme si on t'a battu toute la nuit. Je sais que la prière comme ça, si tu n'es pas fort, la nuit là, les sorciers viendront te terrasser. Mais n'aie pas peur. Tu es dans une alliance. Et tu es dans une couverture, une très haute couverture. Les gens qui ne te connaissent pas, ils te méprisent. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. Moi, je ne fonctionne pas dans la puissance, je fonctionne dans l'autorité. Quand je touche la personne, commence à vibrer. Ce qui se passe là-bas, c'est la puissance. Mais moi, j'opère dans l'autorité. Et mon autorité, c'est l'autorité apostolique. Sasa wakati niko na kuongoza maombi wewe fata tu. Igiandiko na kulongora masengesho. Wala usiogope wewe usibatiziwa. Ngora bona sinda sinda. Mr. Weza hakuna. Uko chini ya agano. Na chutinyu limusi ya masezerano. Kuko sasa siwezi omba naambia Mungu naenda juu ya agano tu. Arije binani na kusenga wanda giye kugwisezerano. Afu kesho ndapata mistere moya. Ejo zo baibanga. Lakini msifanye idol. Mugabo ni muni ndure kuba. Ah, msifanye ile mistere ni idol. Nimubigire kuba ikigirwa mana. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Ami Jesus Christo. Tu as 3 sur 10. Agata tu kuichumi. Tu dois prier jusqu'à ce que dans ton village, les hôtels doivent commencer à trembler. Usenge gushikaho ibicane byo kugatumbi wanyu byumba ko warungisa umuriro.
Je vous ai dit, les gens peuvent mourir. Celui qui a traité l'alliance, l'arrière. Grand-père est déjà mort, mais l'autel continue à parler maintenant. Seigneur Jésus-Christ, pour mon frère appel, qui a été riche dans ma famille, dans ma village, dans ma ville, et qui détruit ma vie, je le renverse, je le renverse, je le détruis, je le pulvérise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, détruis tout hôtel érigé dans ta maison, chez ton père, chez ta mère, au village de ton père, au village de ta mère, qui détruit ta vie, qui détruit ton mariage, qui détruit tes enfants, qui détruit ton travail, qui détruit ton avenir, qui détruit ta destinée. Prends qui dit le nom de Jésus, brise le nom de Jésus, détruis le nom de Jésus, renverse ces hôtels, renverse ces hôtels qui attaquent ton mariage, les mariages de tes enfants, les travaux de tes enfants, les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus, je viens briser les autels dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens briser, je viens renverser tout autel maléfique qui a été érigé dans le village de mon père, depuis les origines de ma mère, depuis les origines de mon père, depuis la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, et qui me bloque, qui m'empêche d'évoluer, qui m'empêche d'avancer, qui attaque mes finances, au nom de Jésus, je les prise, je les prise, et pendant que je prie, les sangs l'ange de Dieu m'assiste pour briser et renverser les hôtels. Prakata, prakata, gebegata. Pri la santé de mes enfants, l'intelligence de mes enfants, les finances de ma vie, les finances de mon épouse, je brise du plein de mon épouse, tout hôtel qui parle dans leur famille, je les renverse, je les renverse, je les renverse, les hôtels dans la maison de mon père, je les renverse, tout hôtel qui est corrigé, les hôtels de la sorcellerie qui contrôle ma vie, mes finances, ma vie spirituelle, ça met le tout flanc, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous brise, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prakadaga, prakadegegegegege, suprakate, rakato prakate le mando, ma suprakate le ya, loco suprakata, lia ma soprakate, recasomante le breria, rakate le manto, ma soprakate, ricasomante le keria, ma suprakata, le casoprakate, ria ma sopra, manto prakate, le casopra. Vois comment tu les renverses, tu dois voir comment tu les renverses. Renverse-les, vois-les en esprit, vois-les dans ton esprit. Comment tu brises les hôtels, comment tu les détruis, comment c'est pulvérisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise tout hôtel. Le casoprakate le mande, rica soprakata. Le kalia manto pra supra, reya manto. In the name of Jesus. Le kasopra ande le keri. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité. Tu ne peux pas accepter la décision si tu ne traites pas avec les hôtels. Alléluia. Alléluia. Satan va te vaincre dans tous les domaines. Satan a dit qu'on est mon métier aussi. Tu ne sais pas renverser ses hôtels et bâtir tes propres hôtels. C'est pourquoi demain nous allons bâtir nos hôtels. Et si tu as déjà bâti ton hôtel, tu dois mettre les sacrifices sur ton hôtel. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire. Les Madians dominent les enfants d'Israël.
Ils n'ont pas de victoire. Et un jour, Dieu va apparaître auprès de Gédéon. Il appelle vaillant héros. C'est ce qu'il était. Et Dieu lui a dit, tu vas remporter la victoire sur ces gens. Mais la première chose, avant que tu n'accèdes à ce que j'ai déjà planifié, qui est votre destinée, tu dois commencer par renverser l'autel qui est l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Tu n'accèdes pas à la victoire comme ça. Ici, ce n'est pas question d'intercéder. Mungu baba, détruire, démolir. Konona. Ici, ce n'est pas l'intercession. Ah, si nous sommes dans le champ des batailles. Turi munambara. Cabra siatos. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ce que tu es en train de faire. Parce qu'il devait bâtir l'autel de Dieu. Elle a commencé par renverser l'autel de Baal. Quel est l'autel de Baal qui était érigé dans ta famille? Et ça fonctionne dans ta vie, ça bloque tout. La maladie que tu as là, tu portes là, c'est connecté à un hôtel. Seigneur Jésus, tout mauvais hôtel mis en place par mes grands-parents, par mes parents, par moi-même, soit pour me vendre, soit pour vendre ma destinée, vendre mon mariage, vendre mes enfants, vendre ma prospérité, vends mon travail. Au nom de Jésus, je viens les renverser. Je viens renverser ces hôtels. Je renverse ces hôtels. Renverse le nom de Jésus. Renverse. Tout hôtel qui t'a vendu, toute transaction qui a été faite sous l'hôtel, au nom de Jésus, et qui amène le blocage, qui amène la maladie, qui amène le célibat, le divorce, au nom de Jésus, brise, renverse l'hôtel de pauvreté, l'hôtel d'échec, l'hôtel de maladie, l'hôtel de malédiction, brise cet hôtel, brise cet hôtel. L'hôtel de blocage, l'hôtel de célibat, plus et plus, l'hôtel de la honte, plus et l'heure de Jésus. Tout hôtel mis en place dans ma famille, tout hôtel mis en place dans ma famille, par mes aïeux, par mes arrière-grands-parents, par mes parents, par moi-même, au nom de Jésus, je me suis vendu, j'ai vendu mon héritage a été vendu, ma prospérité a été transférée dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, je suis en train de briser ces hôtels, je brise ces hôtels, je brise ces hôtels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise avec force, avec foi. Vois comment tu es en train de changer les choses. Vois comment tu es en train de renverser. Débriser, débriser, débriser. Le casopra catele mande riamanto pasupra rekata haze tout hôtel érigé dans ma famille, dans la famille de mon épouse, qui détruit ma vie, qui détruit la vie de mon épouse, la vie de nos enfants, nos finances, notre prospérité, notre vie spirituelle. Je viens les renverser maintenant. Je les écrase. Je crase ces hôtels. Je crase ces hôtels. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Chakata Abraham Zegedegede. Shakata Gabra Gadegebegebebebebebebebe. Tout autre maléfique dans mon village, je le détruis. Que ce soit dans la rivière, que ce soit dans la forêt,
que ce soit au cimetière, je le renverse. Le cimetière de mon village, la rivière de mon village, du village de ma mère, la maison de mon grand-père, dans sa plantation, j'envoie le feu pour détruire les hôtels. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu montes encore. Mets ton cœur, mets ta passion. Mets la foi. Et n'oublie pas la puissance de la visualisation. Pendant que tu détruis, dans ton esprit, tu dois voir. Si c'est dans ton village, à Katakokombe, je ne sais pas où prise. Tes paroles sont esprit. Là où tu les envoies, ça arrive. Tout mauvais hôtel. Ils savent que tu mets le feu. Ils commencent à te manipuler. Tu vois comment tu réponds. Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent sentir que tu te révoltes. Que tu as dit assez, c'est assez. Si dans ma famille les gens ne se marient pas, je dois me marier. Si dans ma famille les gens divorcent, moi je vais avoir un mariage stable. Si les gens ne travaillent pas, alors j'inaugure la saison de ceux-là qui doivent travailler. Alors prie avec force. Tout m'a fait appel. Dressé dans ma famille, dressé dans mon village, dressé chez les féticheurs, et qui travaille contre moi, qui est la base de mon malheur, de la maladie dans ma vie, du célibat, de la pauvreté, du divorce, de la mort, de l'échec, de la limitation, de la honte, de la confusion, de la pauvreté. Au nom de Jésus, je le renverse, je le détruis, je le renverse, je le détruis. Au nom de Jésus, commence à le renverser, commence à le détruire. Au nom de Jésus de Nazareth. Shakata brahazegete. Masupra andele keria. Igichaniro chose chubatswe. Shabra kese kete. Ipapapapapapapa. Rekete kete kete kesita. Ishakata yabase. Lebre gezobete brahazegete. Malubre ergebria diaboski patapapa. Manteke de gebre. Ezegede, Ishakata, Ishayaba, Elebresco de Gobra Ashe, Ilekos Gadagabraha, Maroske de Gebre, Maloske de Gebre, Maloske de Gebre, Ente de Gebre, Imbreke de Gebre, de Gebre, Mababababu, Pantege, Ishakato, Brasus, Brasus, Baregi, Ilaroche, Kadayabase, renverse, renverse dans le village de ton père, dans la forêt, que ce soit dans la toilette. Prise tout hôtel. J'envoie le feu. Le casupra andele keria. Ta vie doit changer. Traite avec ces hôtels. Dans ton village, le village de ta mère, le village de ton père, c'est là l'origine de ton problème. Détruis les hôtels. Détruis les hôtels. Détruis les hôtels. Détruis les hôtels. Qui condamne ta vie au célibat, au veuvage, au divorce, à la pauvreté, à la limitation, au chômage, à la maladie. Prise tout hôtel. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sur l'autel. Kugichaniro.
On a mis un sacrifice. Tu vas détruire les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Tout hôtel qui a reçu un sacrifice ou tout sacrifice qui a été posé sur un hôtel et la voix de ce sacrifice, le sang de ce sacrifice, parle contre ta vie, poursuis ta vie, réclame ton mariage, réclame ton argent, réclame ta progéniture, réclame l'intelligence de tes enfants. Écoute, si y a le sang, il faut le sang. Seigneur Jésus, ils sont bâtis des hôtels, ils ont mis les sacrifices, mais je bénis Dieu parce que tu es la victime de Dieu. Tu t'es donné comme un sacrifice, tu as versé ton sang afin que partout le sang me réclame le sang des sacrifices, le sang des offrandes mise sur les hôtels. J'applique ton sang, je libère ton sang sur les hôtels, dans le village de mon père, dans le village de ma mère, dans ma maison, tout hôtel qui réclame ma vie à partir du sang, à partir des sacrifices, à partir des pactes, à partir des alliances. Le sang de Jésus annule la voix de ses sacrifices, la voix de ses sacrifices, la voix de ses sacrifices. Au nom de Jésus, engage le sang de Jésus, engage l'autel de Jésus, l'autel de la croix, les bras crucifiés. J'engage l'œuvre accomplie à la croix. La croix de Jésus, qui est l'autel par excellence, le sang de Jésus, qui crie Dieu, que tout sang qui parle contre moi, contre ma prospérité, contre ma vie spirituelle, contre mon épanouissement, contre mon épouse, contre mes enfants, contre mes projets, tout hôtel satanique, tout sacrifice de ténèbres est anéanti maintenant. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur les hôtels dans mon village. Les hôtels de mon village. Dans mon village. Le village de mon père. Le village de ma mère. Que ce soit dans la forêt. Que ce soit dans leur maison. Que ce soit dans la rivière. Que ce soit au cimetière. Que ce soit dans la rivière. Au nom de Jésus. J'asperge le sang. Le sang de Jésus. Fais taire les voix de réclamation, les voix de malédiction, les alliances, les pactes, tout ce qui a été dit. In the name of Jesus. Le sang de Jésus. Applique le sang. 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 Chaque attaque. Tout sacrifice sur l'autel est anéanti maintenant. Est anéanti maintenant. Est anéanti maintenant. Le casupra andele keria igicaniro cyose cyubatswe kugira ngo kingwanye kugira ngo gigwanye gutera imbere kwanje kugira ngo gitwanye amashuri yanje n'izina rya Yesu Kristo shaka taka buku baba he esekete. Pendant que tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari. S'il y a un hôtel qui réclame sa vie dans sa famille, avoir le sang, ton fiancé, ta fiancée, prie pour ta femme, tout hôtel qui réclame tes enfants, avoir le sang, avoir le sang, avoir le sang, avoir le sang. Le casopra catelemande, recasupra ande le keria, masupra ande, le casopra ande le keria, le casupra ande. Parouche qui bagade de deba, rakatakakakakaka, le sang de Jésus, chakataka braha jagato, le precozopro hozoboto, zigedegedegedege, yabobobobobo rekete maso. Alouche, 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 alouche,
Shara boski brahazagate. Lika supra ande lekeria, mako supra ande, rakasia manto, mako prahatelia, leka supra ande lekeria, malo pra ande, rika supra ande lekeria, maloko supra ande lekeria, leka supra ande lekeria, rika soya. Orote. Jésus. Ta vie doit changer. Ubuzima bwawe guhinduka. Ta vie doit changer. Laisse-moi te dire. Les choses que Dieu va les faire, qu'il va faire dans ta vie. Il va les faire avec gloire. Dieu doit te distinguer. Parce que la prière que toi tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Alors tu dois cueillir le fruit de tes prières. Ce genre de prière doit être ton mode de vie. Tu es parent, tu es ici. Tu dois refuser que tes enfants répètent ce que toi tu as vécu. Alors tu dois combattre et pour tes enfants. Il y a les choses qui les réclament depuis le village de leur père. Depuis ton propre village. Alors il faut attaquer ces choses. C'est chaud là-bas aujourd'hui. Ils sentent. They are feeling you. Le Seigneur m'a donné une instruction. Je vais le faire après ça. Il m'a donné juste quand j'ai prié ici. Afin que je prie pour certaines personnes. Seigneur Jésus. Que toute alliance. Toutes les promesses. Les feux. Fais-tu les hôtels des ténèbres par les agents des ténèbres et qui donne au diable le droit légal de poursuivre ma vie, de poursuivre ma famille, de poursuivre ma richesse, de poursuivre mon mariage, de poursuivre ma prospérité. Au nom de Jésus, je viens annuler ces promesses, ces paroles. Au nom de Jésus, annule, approche toute parole qui te poursuit. Au nom de Jésus, annule. Par les sacrificateurs des ténèbres sur les hôtels au Dieu de famille. Annule. J'annule dans la sphère spirituelle. J'annule dans les lieux célestes. J'annule à partir des lieux célestes. Dans la sphère spirituelle. Du monde satanique. Le monde des ténèbres. Dans lequel mes aïeux s'étaient engagés. Ils ont donné des promesses. Mes arrière-grands-parents. Mes parents. Depuis les générations anciennes. Je vais annuler. Sous l'autorité du nom de Jésus. Et sous le mandat apostolique. Je le prise. Je les approche. J'annule toute loi qui a été proclamée sur mes enfants. Le premier-né, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Toute loi dans ma famille qui attaque tout premier-né, je l'approche. Toute loi qui attaque nos finances, je l'approche. Toute loi qui attaque notre vie, notre santé, ma vie, mon grand frère, je le prise dans la maison de ma père, dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère. Au nom de Jésus, j'annule les paroles prononcées, les promesses, les alliances, les prières, les feux. Je les annule, je les rends sans effet, je les rends sans effet, je les anéantis. Au nom de Jésus. Ma sopra ande le kia, le ka supra ande le keria, ma sopra ande, ria ma sopra, halo scupra hoja, le ka sopra kata, lia manto pra, shaka tabra hajegete, manto pra hadia, le ka sopra, ila baba baba baba, supra anda, le ka sopra katelemando, lo us telemande, rakatetete, re ka supra, makatelemanto, ma sopra, in the name of Jesus, ma sotelemande le keria, ma sopra ande le keria.
Shaka tele mando le keri. Loko supra ande. Lève ta main. Maniki biganza bzao. Ferme tes yeux, regarde vers Jésus. Ugarama suya utumbere Yesu. Dis à Jésus, non, j'en ai assez de cette vie. Yesu bira hagije n'ubuzima. Tu m'as donné des promesses. Wamaya masezerano. Comment est-ce que je ne vis pas tout ce que toi tu as dit? Est-ce que tu es devenu un homme pour mentir? Présente cette prière à Dieu. Invoque-le. Devant cet autel. L'autel que le Seigneur a bâti ici. Invoque-le. La Bible dit Abraham a bâti l'autel entre Bethel et Haï. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Invoque le Dieu que tu sers. Invoque le nom de Jésus. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il sera sauvé de sa maladie, de ses péchés, de la malédiction. Invoque Jésus. Du haut de cet hôtel, invoque le nom de Jésus. Dis-lui d'agir. Cadre que ce que tu gagnes. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Nous t'appelons, Père. Interviens dans nos vies. Assez, c'est assez. Nous avons longtemps souffert. Nous avons longtemps demeuré dans cette situation. Jésus, jusqu'à quand nous allons demeurer dans le blocage, dans la séparation, dans le divorce, dans la mort, dans le péché? Seigneur, nous invoquons ton nom. Sauve-nous. 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 Requete que prejegete. Invoque le nom de Jésus. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Le salut veut dire la délivrance. Le salut veut dire être sauvé. Le salut veut dire la guérison. Rebayo koshoto masia. Il a bayaka rekondo yobosia. Il peut que te préhége. Les choses de ta famille. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Qui te donne victoire sur les choses de ta famille. Sur les problèmes de ta famille, sur les malédictions de ta famille. Invoque Dieu, invoque Dieu. Tout le monde divorce, tout le monde est séparé, tout le monde a un mariage qui n'est pas stable, tout le monde est dans le veuvage. Invoque Jéhovah, invoque Jésus. La maladie héréditaire, dis à Dieu, je ne vais pas porter cette maladie. Le diabète, le mal de tête, la folie, je ne veux pas, je ne veux pas. Les célibats de ma famille, je refuse. Le divorce de ma famille, je ne veux pas vivre ces choses. Je t'invoque. Je t'appelle, ninakuita, Mungu wangu, ninakuita Bwana. Onekana ndani ya maisha yangu, badilisha historia ya maisha yangu, ndani ya familia yangu Bwana, badilisha ninakuita. Ninakuita Jehovah Sabaoth, nipiganie Bwana. Jemadari wa vita, nipiganie, nipe ushindi. Ah, kamanda wangu, ninakuita. Erebosha, ba, invoque. Invoque Dieu. Abraham a bâti l'autel. Il a invoqué le nom de Jésus. Il a invoqué le nom de son Dieu. Il a invoqué le nom du Dieu qu'il a appelé de Caldé, de Ur. Invoque le Dieu qui t'a tiré du monde. Invoque ce Dieu qui t'a sauvé du péché. Rakata, braque ce côté. Pepepepekede, et les gosses au côté baha, Rikata, et Yemama Babosha, Ibrakaze Kate, et Remakuyana, Paro Yakete, Yakata, Ilaba Babosha, et Ramasa, Rabashakata, et Kete, Bebe Yakato, Hora Sanda Yabaha. Regarde ta souffrance. Non, ça va finir. Invoque Dieu. Il écoute les prières. Notre Dieu est fidèle. Mouite mungu wako, mouite. Mouniache niite. Ni mouite baba. Niache niite. Niite buwana wangu. Niache.
chenite ni mwite baba munya cheni mwite ni mwite Yesu tinake Jésus pour changer ta vie, ta condition, ta situation. Tu es destiné à la grandeur. Tu es censé être un grand homme de Dieu. Mais regarde comment le chaud de ta famille t'étouffe. Muniache nimwite. Nimwite Bwana. Muniache nimwite. Nimwite Yesu. Muache nimwite. Anayefungua. Muniache nimwite. Mukombozi wangu eh. Il est le Dieu qui change la vie des gens. Il est le Dieu qui change la condition des gens. Heya Baba Rasso. Chalebro. Anyataka, eh. Kolo Yesu anyataka. Anyati Satana lelo. Hiya baba bebo ro shata. Anyataka eh. Kolo Yesu anyataka. Anyati Satana lelo. Shalabares kibrahaza. Mabrakus kipre etekeri vase dala. Rikas koto prahaj. L'héros de mes combats. Lève-toi, Sabaoth. Lève-toi, Sabaoth. Je sanctifie ton nom. L'éternel des armées. Rabahi Kata. Helabashata. Koraseta. Siabababaleza. Kara suprehej katondi annonce. Hey, Yabashata. Change ma vie. Change ma vie. Change mon histoire. L'histoire de ma famille. L'histoire de mon père. L'histoire de ma mère. L'histoire de mon grand frère. L'histoire de mes petits frères. De mes petites soeurs. De mes cousins, de mes cousines. Change la cour de notre vie. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Yahya, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ta vie doit changer. Cette vie de mendicité doit finir. Cette vie de limitation doit finir. Cette maladie. Salabababababa. Et Rakundari Masia touche. Non, 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 non. It must change. Sikatou. Regarde comment vous vivez. Regarde votre vie à la maison. Regarde comment vous vivez dans la misère. Rien ne marche. Les mésententes dans la famille. Des familles divisées. La pauvreté. La misère. La déception. Combien de gens, de jeunes hommes sont venus t'épouser, sont venus te fiancer. Ils ont fini par te décevoir. Et ça, c'est tout le monde.
wewe ni Mungu umepasua bahari au fananishwi na kitu kingine wewe ni Mungu umepasua mawimbi au fananishwi na kitu kingine Shala bros Lebra kasikata Paruski yagade mente kebra Eshakudi ya maske Ebra Elede rikato mende Parasuta ya Elegedege Bibabu siyade Irekete gede Leke shikata Manto kobro Na kitu kingine Unafanya mambo mbayo Mwanadamu hawezi kufanya personne qui peut faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Aucune personne n'a su te délivrer, n'a su te libérer. Brisez les liens de ta famille, les chaînes de ta famille. Jésus est capable. Kitu kingine Aufanani Na kitu kingine Shala bababos Sela bababo Rianos kibraheje Thank you Jesus Left him out Sakata. Thank you, Lord Jesus. Lève tes mains. Que je libère la prière sur toi. Pasua bahari How fun Lord move in this place Move in this place Move in your mighty Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Père, sous le mandat apostolique et sous l'onction apostolique et prophétique, tout hôtel érigé dans nos vies. Je viens contre vous par la puissance de la prophétie. Je vous maudis. J'anéantis votre influence. J'anéantis votre puissance. Jésus de Nazareth. Je brise la puissance et l'influence des hôtels dans leur vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui exerce ton jugement dans le feu. Que le feu descende dans leur vie pour détruire tout ce qui a été bâti, tout ce qui a été bâti, toute structure qui donne au système de la famille la force d'agir, de les garder dans le célibat, dans la pauvreté, dans la limitation, dans la misère, dans le divorce,
dans le chômage, dans le nom de Jésus de Nazareth. Les hôtels sont brisés. Les hôtels sont brisés. Les gardiens des hôtels sont liés, paralysés et anéantis. Et je les commande de quitter leur corps, de libérer leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. L'onction de feu. L'onction de feu. L'onction de feu. L'onction de feu. Rakatatata rabashika. Reke sekete breke eshkato. Siato rata yaba. Le kaprakashikata yamasete. L'onction qui brise les joues descend sur toi. Les joues tombent. Les joues tombent. Les joues de pauvreté tombent. Les jours de maladie tombent. Les jours de célibat tombent. Les jours de mort tombent. Les jours de pauvreté tombent. Les jours de limitation tombent. Les jours de confusion tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'onction de Dieu sur toi. L'onction. Labroskiata. Saint-Esprit de Dieu. Tu es venu nous libérer libres. Tu nous rendre libres. Rends-nous libres. Brise les chaînes. Brise les jougs. L'onction vient sur toi. L'onction de délivrance. Shakata kabrahas. Le prekete brahajagata. Les chaînes tombent de tes mains. Les chaînes tombent de tes pieds. Les lois établies sont anéanties. Salababa bori anoski haladesh. I speak life. Je parle, je déclare la vie sur toi. Les règnes des hôtels prend fin maintenant. Les règnes des voies des sacrifices prend fin maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, toute voix qui réclame ton mariage, qui réclame ta prospérité, qui réclame ton élévation, qui réclame ton mariage, dans le nom de Jésus, je le fais taire dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, là où je suis assis avec Christ, je fais taire toute voix des ténèbres dans ton village. Dans la maison de ton père, au nom de Jésus, leprosiata, la kuziani afaladosh ki prahas, shakatu prehesh keti yanos ki prahas, malibros kante kebrehesh ala kontriyalis, parena la dusa aliabron ishkariados ke peketalonu yadi afaha. Thank you for your angels. Merci pour les anges qui brisent les chaînes, qui renversent les autels, qui libèrent les destinées, qui libèrent les destinées. Je commande à ta destinée d'être libérée. Je commande à ta destinée, emprisonnée sur les autels, d'être libérée maintenant. Je commande à ta destinée, l'étoile de ta destinée. L'étoile de ton argent, l'étoile de ta prospérité, de ton travail, de ton mariage, de ta promotion. Maintenant, que ça soit libéré, que ça soit libéré, que ça soit libéré, que ça rentre dans ta vie, que ça rentre dans ta vie, que ça rentre dans ta vie. Ripopopopopo, hiprakasukadia, hilagosh, shatayamaha. Fire. Shalabros. Que ton étoile prenne feu partout où ça se trouve. Partout ton étoile est emprisonnée. Partout ta vie est emprisonnée. Partout ton mariage est emprisonné. Quels que soient les hôtels, je libère le feu de la délivrance. Je libère le feu sur les hôtels. Je libère le feu sur les hôtels. Je libère le feu sur les hôtels. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
tout hôtel qui te tient captif, je viens les renverser. Je les pulvérise par la puissance du feu. Ta destinée est libérée maintenant. Je libère ta destinée. Ma cour, Yannis Kapahaj. Lève ta main. Lève ta main. Plus haut. Plus haut. Appelle Jésus trois fois. Je, à haute voix. Chakout Yannis, sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chakata Kabrahazegete. Le Seigneur m'a dit qu'il veut briser les chaînes qui bloquent les gens à avancer. Dans mon esprit, je vois quelque chose comme une araignée et l'étoile d'araignée. Et le Seigneur m'a dit beaucoup de gens sont comme des prisonniers. Ils sont comme dans une prison d'étoiles d'araignée. Là où tu élèves tes mains, le feu de Dieu va descendre pour briser tout fil. Tout fil de ténèbres qui t'empêche de t'épanouir. By the power in the name of Jesus, I command the fire of God to fall down now. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, je commande au feu de délivrance, bloqué par les chaînes de ténèbres, par les fils de la sorcellerie. Maintenant, au nom de Jésus, que ces fils prennent feu, que ces fils prennent feu, que ces fils prennent feu, que ces fils prennent feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Re-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Rikato bra ete iakata ma ripapa re rekete le te 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 rakato reke. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Tous ceux qui te lient, in the name of Jesus, come out. Come out, come out. Au nom de Jésus, tout ce qui te lie, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Ya ba 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 rekete. Je te libère. Je te libère. De toute prison. Ratakata. Yeshayabaha. Libra kuskeyata. Jesus, come out, come out, come out. Libre, libre, libre. Sors de cet hôtel. Remayus yabaha. Reka remani yanoski paafa. Palakus yane pehesh. Tiens-toi debout. Celle-ci, la sœur ici. You are, you ancient Zion's King, Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. Le Seigneur me dit qu'une saison commence dans ta vie. Shalabrahazagatos. Lève ta main. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Dans le nom de Jésus. Tout hôtel qui avait englouti ta destinée, j'ordonne à cet hôtel de te vomir maintenant. J'ordonne à cet hôtel de te vomir maintenant. J'ordonne à cet hôtel de te vomir maintenant. De vomir ta vie. De vomir ton mariage. De vomir ta prospérité. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Shalabahas. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Alors l'instruction que le Seigneur m'a donnée. Toute personne qui est ici présente. Tu as été chez les féticheurs. On a fait des choses sur toi. C'est-à-dire toi-même tu es un hôtel. Alléluia. Tu as pris tes enfants. Tu les as amenés quelque part chez les féticheurs. On a fait des choses sur eux. On les a appliqué les choses. Soit pour la protection. Soit ils étaient malades. Ils cherchaient la guérison. Je vous ai dit, beaucoup sont partis dans ces choses, dans l'ignorance. Malibrahas keteleri.
Lève ta main et regarde-moi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, toute puissance qui te contrôle, qui contrôle ta destinée, la puissance de la sorcellerie, je le brise, je le brise, je le brise. Lâche sa vie, lâche sa vie. Que l'autel qui contrôle ta vie, ta destinée, te relâche maintenant. Au nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu, le feu de Dieu. Libère, 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 libère. Laisse-les. Maintenant, Rakato, Rebachata, je libère ton âme. Je libère ton étoile. Je libère ta destinée. Au nom de Jésus. Toutes les chaînes dans tes pieds, je les brise. Je les coupe par l'épée de l'esprit. Les chaînes de limitation. Les chaînes de défaveur. Je les coupe dans tes mains. La pauvreté et les blocages. In the name of Jesus. Sois libre. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de mon Dieu soit sur toi. Je transfère la grâce sur toi. Au nom de Jésus. Que la vie ne soit plus une lutte sur toi. Mares Kopraha Jagata. Avant que je ne prie pour ces gens, John vient ici. Lève tes mains. Je libère la puissance de Dieu. Qui te donne de vaincre les lois établies et qui te fait entrer dans une nouvelle saison afin que tu sois la tête dans ta famille. Reçois. Reçois là. Père, ce que tu as mis sur moi, comme tu l'as fait avec Moïse, tu as pris son esprit et tu as mis sur 70 personnes. Je transfère la grâce, l'onction de Dieu pour lui donner de vaincre les choses de sa famille dans le nom de Jésus. Rasi kato prahaj, rabaya kasekete. Au nom de Jésus. Vins les lois de ta famille. Vins les malédictions de ta famille. Vins les hôtels de ta famille. Au nom de Jésus. Père, fais-le avec lui. Comme tu le fais avec moi. Parce qu'il est mon fils. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Alors tu étais parti chez les féticheurs. On t'a amené, on a mis des choses sur toi. On t'a lavé pour enlever la malchance. Tu étais ignorant. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Stand up. Tiens-toi debout, viens, avance. On a fait des choses sur toi. On est parti laver, te laver ou faire briller ton étoile. C'est ce jour-là qu'on a vendu. C'est ce jour-là qu'il y a eu un transfert. N'aie pas honte, viens. Des choses comme ça, ça ne se passe pas deux fois. Je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur va me conduire demain. Alors, Karamaskete, la sécurité, est-ce que vous pouvez aider John, vous l'amener ici. Parosiade. Mon fils, toi, tu as une grande destinée. Mais Satan a ruiné ta vie. Une grande destinée. J'ai déjà enseigné ici, je ne sais pas si ça c'était sur YouTube. Destinée à la grandeur. Mais liée. J'ai enseigné ça il y a plusieurs années. 4 à 5 ans. Tu es destiné à la grandeur. Mais tu es entouré de chaînes. Quand je te regarde, je te vois sur un manguier. Attaché. Mais tu marches comme ça physiquement, on te voit libre. Et ta destinée est liée quelque part. Enlève ce baffle là-bas. Sous l'autorité apostolique. Sous la grâce de Dieu. Sur ma vie. Je libère l'onction de délivrance. Sur vous. Le sang qui purifie. Le sang qui rachète. J'applique le sang de Jésus sur chacun de vous. Pour anéantir. Tout rituel. Toute cérémonie. Tout ce qui a été fait. Chez les féticheurs. Par tes parents. Par ta tante. Par ton oncle.
et qui a détruit ton étoile, qui a détruit ta destinée, qui est à la base de ta, de malheur, de pauvreté, de limitation, de célibat, de divorce, de chômage, de manque de prospérité. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus sur toi. Je te lave par le sang. Je te lave aussi par le sang. Et jamais anti. Tout ce qui était entré en toi, à partir de cette cérémonie, à partir de ces rituels, au nom de Jésus, j'annule, j'anéantis, au nom de Jésus, et je libère la grâce, 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 au nom de Jésus, je libère la grâce, je libère la grâce, je libère la grâce, au nom de Jésus, in the name of Jesus, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, au nom de Jésus, la grâce vient sur toi, au nom de Jésus, remayekete, palasiato, eyabashakata, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce de Dieu sur ta vie, marebasikata yabashete. Lèbre Sokoto, tu es lavé, purifié. Dans le nom de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Dis Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Que tu m'accordes. Que tu m'accordes. Mare Basiatos. Toutes les lois dans ta famille. Qui contrôle les filles. Et qui agit dans ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Que cette puissance te libère maintenant. Je te délie. Je te délie. Dans le nom de Jésus. Le feu de Dieu attaque les autels. Dans le nom de Jésus. Je libère cette grâce sur toi. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Et tout esprit qui agit derrière la voix des autels, les sacrifices des autels, te lâche in the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Que la puissance de Dieu entre dans ce corps. Remashiakata. Reketete rebasata. Karushiate danos kibahaj. Tu es libre. Au nom de Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Je scelle ma victoire dans ton sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Thank you Jesus. Que Dieu te bénisse. Demain nous allons nous soumettre sous la volonté et la conduite de Dieu. Prie que Dieu m'utilise. Ma soeur, tiens-toi debout là-bas. L'enfant, derrière toi. Oui. Quand je te regarde, c'est comme si rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Tu es là comme une épave. Tu es là comme quelqu'un qu'on a déjà mangé. Et qui attend une occasion de chute pour que tu meurs. Au nom de Jésus, lève tes mains. J'annule l'esprit de mort. Je brise la mort. L'ombre de la mort. Le sang de Jésus contre toi. Je brise l'esprit de mort. Je brise l'esprit des morts. Tout hôtel, on a sacrifié ta vie. Les sorciers qui ont déjà préparé pour te manger, toi, en cette saison, avant la fin de cette année, j'annule cette loi. J'annule cet hôtel. J'annule cet hôtel. J'annule cet hôtel. Au nom de Jésus, la tombe qui était préparée contre toi ne t'engloutira pas. Viens ici. Ça son nom en temps, tu vois quelqu'un marcher. C'est un cadavre. Come here. Ouvre tes yeux et regarde-moi.
In the name of Jesus, je te commande, toi esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, partout tu es localisé, lâche la vie de cette soeur, lâche la vie de cette soeur, une, deux, trois, sors, 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 le sang de Jésus est contre toi, le sang de Jésus est contre toi, l'ombre de la mort est anéantie. Au nom de Jésus, tu es libre. Je te déclare libre. Tous les sorciers, partout où ton nom était enregistré, pour que tu sois la victime à sacrifier, avant ce 31 décembre, j'applique le sang de Jésus. Car la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute ordonnance qui te condamne à la mort, j'efface ton nom. J'efface ton nom. J'efface ton nom. Et je te soumets sous le contrôle du Saint-Esprit. Rachata Yabasete. Sois libre, ma fille. Dans le nom de Jésus. Rachkato Yados. Lève ta main. Maman. Maman. Quand je te regarde, je te vois. Tu pries beaucoup. Tu pries. Mais tu pries en pleurant. Tu pries beaucoup en pleurant. Non seulement tu pries parce que tu as la passion, la souffrance, les douleurs, les blessures. C'est ce qui te pousse à pleurer. Que le Dieu que je sers sèche tes larmes. Et non seulement qu'il sèche tes larmes, qu'il traite avec la chose qui te pousse de pleurer. Avance ici. Le Seigneur me dit de te bénir et pas de te délivrer. Father, in the name of Jesus, I release the blessing. Dans le nom de Jésus, je libère la bénédiction. Que sa vie ne reste jamais la même. Au nom de Jésus, sois béni. Je transfère la grâce. La grâce. La grâce de Dieu qui change ta vie, qui essuie tes larmes. Thank you, Lord. Aide-la. Demain, nous serons ici. À partir de 9h, viens avec expectation, viens avec attente, avec soif, comme quelqu'un qui veut voir les choses changer. Viens à temps, je vais monter à temps. Alléluia. Amen. Je vais faire les résumés. Pendant 15 ou 20 minutes, je vais donner la partie qui reste. Alléluia. Et nous allons allumer le feu. Alors, prie que Dieu ouvre mes yeux. Prie que Dieu me donne l'intelligence. Afin que je voie là où ta vie est coincée. Alléluia. Amen. Si c'est dans ton village que Dieu ouvre mes yeux, que je vois. Si c'est un sacrificateur de ténèbres, que Dieu me révèle son nom. Et tout va dépendre de la volonté de Dieu. Mais nous croyons que demain, nous allons allumer le feu pour être libre. Et demain, Dieu va nous relâcher. Il va nous relâcher. Afin que nous puissions courir vers notre destinée. Et tu es participant à cela. Tu es participant à cela. Prépare-toi, cette nuit prie. Dis à Dieu demain. Ne me passe pas. Alors que tu vas toucher les gens. Ne me passe pas. Alléluia. Amen. Si Dieu te met à cœur de bâtir l'autel contre l'autel, fais-le. Si tu dis de renforcer ton autel, fais-le. C'est une exigence. Tu dois écouter Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous bénira. Alors invite autant de gens que tu peux. Viens avec les membres de ta famille. Laisse-moi te dire.
Tu es de impact. Dans ce programme, tu restes à la maison. Quand tu nous suis live, l'onction qui est ici est la preuve que personne n'est localisé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui es venu. Et que le Dieu que je sers te fasse du bien. Même si tu es venu aujourd'hui, qu'il te fasse du bien. Alors demain, partageons l'affiche. Vous êtes ici, vous n'êtes pas connecté sur nos pages. La première, c'est Abel Racheté officiel. La deuxième, c'est Impact officiel. Vous partagez nos vidéos dans beaucoup de groupes afin que les gens puissent nous suivre, nous suivre ces messages. Plusieurs personnes ont besoin d'écouter ce que j'ai dit ces trois jours. Ils ont besoin d'écouter ça et prier aussi. Alléluia. Alors Dieu nous fera du bien. Partageons l'affiche. Je vais faire un petit live ce soir sur mon compte ordinaire que tu vas partager juste pour parler de ce que Dieu invite les gens pour demain. Alléluia. Ici, il n'y aura pas de place. Je l'ai déjà vu. Alors viens vite et ta place. Et les enfants de la maison peuvent se tenir debout. Alors une grâce spéciale de délivrance, de libération sera libérée ici. Tu vas prendre ton offrande, nous allons donner et nous allons partir. Tu peux regarder dans ma Bible, ok? Père, dans le nom de Jésus. Merci parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu as mis ces pièces d'argent, ces billets de banque dans nos mains. Et en signe de reconnaissance, nous venons t'offrir avec simplicité de cœur, avec un cœur humilité, d'humilité et avec joie et reconnaissance. Agrée ces offrandes et bénis-nous, Seigneur, afin que nous ayons encore quoi te donner. Bénis mon frère et ma soeur, bénis son travail, la source qui lui procure l'argent. Je parle et je prophétise sur cette source que jamais tu ne sèches, que tu fleurisses, que tu sois productive, que tu sois féconde afin de donner toujours la prospérité à mon frère. Au nom de Jésus, je parle à ton travail, je parle à tes affaires, je parle à ta boutique, je parle à ce que tu fais et qui te fait rentrer l'argent, que ça devienne productif par la vertu du nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus, amen. Pendant que tu rentres à la maison, que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Et que le sang de Jésus te protège. Que les anges marchent devant toi. Que ton chemin de retour soit aplani. Et tout ce que l'ennemi prépare, les accidents, les arrestations arbitraires, les incidents, je les annule. Va en paix. Et que cette nuit, Dieu te visite. Et que demain tu viennes pour célébrer le roi et pour entrer dans ta destinée. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.